Allez-y, monsieur Dupont, c'est par là. Entrez! Bonjour, asseyez-vous. Vous avez votre CV? Oui, le voilà. Merci. Quelle qualification? Vous travaillez dans l'usine depuis combien de temps? Je travaillais dans l'usine depuis 4 ans. Très très bien. Vous voulez gagner combien? Je voudrais pas beaucoup, juste de quoi me payer un loyer. Dans votre CV, il n'y a pas votre adresse pour envoyer le contrat. Vous êtes... Vous habitez où? J'habite au SAMU social du 12e arrondissement. Au SAMU social, où il y a les SDF? Oui, monsieur. D'accord, merci, vous contacterez. Tenez, au revoir. Ah, qu'est-ce que je disais? Ah oui, c'est super. Tenez, signez le contrat. Avec l'esprit un qui discrime, un seul pchit et toutes les discriminations s'en vont. Allô? Oui, allô, bonjour madame. Oui, c'est pour vous contacter, c'est à l'appartement. L'appartement sera disponible au début du mois prochain. Vous devrez venir muni d'une pièce d'identité, de vos 3 dernières fiches de paye, ainsi que d'un chèque de caution. Ah oui, vous inquiétez pas, je travaille déjà, étant serveuse. Et votre salaire doit être 3 fois supérieur au prix du loyer. Ne vous inquiétez pas aussi. Tout cela me paraît parfait. Je vous donne rendez-vous samedi à 14h. Excellent, merci, bonne journée madame. Marois? Oui madame. Réservé, j'ai un très bon candidat pour samedi 14h. Très bien madame. Oui, bonjour. Bonjour. C'est pour l'entretien, je vous ai appelé. C'est vous qui avez appelé? Oui. C'est avec vous que j'avais rendez-vous? Oui, à 14h. Ou en short tard? Non, c'est plus disponible. Ouh! Non, mais c'est quoi? On était où déjà? L'appartement? Bah, c'est bon, il est à vous. Avec quand tu discrimes, un seul pitch et la discrimination disparaît. Attention, dans la réalité, ce produit n'existe pas. Mais la discrimination, si. Si vous en êtes victime, rendez-vous sur www.égalitécontreracisme.fr et faites valoir vos droits.